Ok, c'est parti. Alors, ça j'en ai pas besoin, voilà. Et ça j'en ai pas besoin non plus. Nickel. Alors, salut tout le monde, c'est King Lizard. On se retrouve aujourd'hui sur Big Pharma. Alors, c'est un jeu qui a été développé par Positech Games, qui m'a été fourni gracieusement pour que je puisse en faire un test. Et c'est un jeu facile à prendre en main, mais très difficile à maîtriser en fait, sur le long terme. Alors, on va partir ensemble sur une toute nouvelle partie. Et on va commencer Finalité Ultime, voilà, en débutant. Alors, je vais vous raconter un peu comment ça se passe en temps réel, hein, c'est-à-dire on va pas faire le didacticiel. Voilà, King's Curse. Le PDG, soit c'est Leonard, soit c'est Jennifer, soit c'est Chan, soit c'est Sarah, soit c'est Orest, ou Aline, ou Basile, ou Jessica. Je vais prendre Aline, voilà. Elle a l'air comme ça d'être une pharmacienne. Alors, au niveau des atouts, vous pouvez choisir deux atouts parmi ces atouts-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Tout matériel revendu est remboursé à 100%. Note de vente des produits sans effet secondaire actif augmentée de 10%. Trois cadres bonus dès le début de la partie, ça peut être vachement intéressant. Touche à touche, je peux pas le prendre. Homéopathe, force des effets secondaires diminuée de 20%. Je peux déverrouiller subvention de recherche. Et ça fait vitesse de recherche augmentée de 20%. Ah, ça c'est intéressant. Je vais prendre ça. Et toute recherche découverte est gratuitement améliorée au niveau 1. C'est intéressant aussi. Les cadres dès le début, ça peut l'être. Je pense que note de vente des produits sans effet secondaire actif augmentée de 10%. Ça j'aime bien. Parce que j'aime bien faire des médicaments qui n'ont pas d'effet secondaire. Alors des fois tu peux pas vraiment. Surtout au début, parce qu'au début t'as assez peu d'argent et tu dois rentrer dans tes frais. Donc tu fais vite fait les médicaments, voilà. S'il y a des effets secondaires, tant pis. Mais par la suite, en fait, tu peux essayer de mettre un peu plus d'argent dans tes lignes de fabrication de médicaments et donc essayer d'éviter au maximum les effets secondaires. De toute façon, on va voir ça tous ensemble maintenant. Alors. On se retrouve ici sur ce terrain. Donc tout ça, c'est des bâtiments. On peut acheter évidemment d'autres parcelles. Et dans chaque parcelle, vous avez des entrées et des sorties. Enfin, c'est la même chose, hein. Entrée ou sortie, c'est la même chose. Donc ici, il se trouve qu'il y en a trois. Alors, on va faire rentrer un médicament, enfin un principe actif qui vient d'une plante ou d'un animal dans un truc. On va le faire passer par différentes machines. Et à la fin, on va le faire passer soit dans une crémeuse qui va en faire des crèmes, soit en faire des lotions ou en faire des cachets. Alors, on va commencer tout de suite en allant regarder dans les ingrédients. Ça, c'est les ingrédients qui sont à ma disposition tout de suite. Donc, j'ai la buée brachitine. The what? Brachizite desséchée et j'ai la roche Violiticus modifiée. Je peux aller rechercher d'autres effets actifs, mais pour l'instant je vais pas le faire parce que rien qu'avec cela, je vais pouvoir faire, je pense, deux médicaments pour chaque. Donc ça veut dire que déjà, je vais déjà vendre quatre médicaments avant d'aller chercher celui-là. Alors là, il y a soulage l'hypertension et là, il y a fatigue. Donc ça c'est la plage où c'est actif en fait. Donc dans toute cette fourchette entre 5 et 16 en puissance, vous aurez l'effet de fatigue. Et entre 9 et 13 de puissance, vous aurez l'effet soulage l'hypertension. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais importer ça pour l'augmenter de 1. Parce que là il est à 8, vous voyez c'est marqué 8. Donc je vais l'augmenter de 1 pour arriver juste dans la plage soulage l'hypertension. Donc ça va faire un petit médicament contre l'hypertension et je vais le vendre directement. Il y aura l'effet de fatigue, mais c'est un effet secondaire sur lequel je pourrais rien faire. Alors, on va commencer par ça, je vais l'importer. Voilà. Donc je l'ai importé ici. Et donc j'ai dit qu'il fallait que j'augmente sa puissance par 1. Donc en fait, pour faire ça, vous allez ici dans votre onglet base et vous avez différentes machines.
Donc cette machine-là, c'est le dissolveur qui permet de diminuer la concentration de l'effet actif de 1, donc de tous les effets actifs de 1, et l'évaporateur qui permet d'augmenter la concentration de 1. On va utiliser un évaporateur. Et on va le mettre comme ça. Non, évidemment, on va pas le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Voilà. Après, on prend le convoyeur et on ramène le médicament à l'intérieur de la machine, dans la flèche verte. Et ensuite, on le fait sortir par la flèche rouge. Et on va y mettre une presse à comprimer. Donc, je peux en mettre deux. Je vais en mettre une ici et une... Non. Et une là. Voilà, je les avais mises à l'envers. Voilà, je relie les deux entrées. Et voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simple. Si j'en avais mis qu'un, en fait, le temps de process de un médicament, il fait deux tours. Voilà, regardez, là ça va faire un tour. Un tour, vous voyez. Donc ça veut dire que là, quand ça va arriver, je vais pouvoir en faire deux fois plus. Je peux pas le faire avec tous les médicaments. Parce que des fois, ici, ma chaîne sera ralentie. Donc voilà, là, il me demande de mettre un nom au produit. Donc c'est un petit médicament comme ça contre l'hypertension. King's Dimine Hypertension, voilà, je le nomme. Et voilà, donc j'ai utilisé que très peu de machines pour la mise en place de cette chaîne de production. Et donc ça me permet aussi de maximiser les rentrées d'argent. Parce que à chaque fois que je fais passer le médicament par un process, vous voyez que ici à chaque fois je perds 10 euros. Et à chaque fois que ça passe ici, je perds 20 euros. Donc plus votre chaîne est petite et efficace, plus vous gagnerez de l'argent sur le long terme. Vous regardez pour cela l'onglet compagnie avec le profit quotidien de ce médicament en question. Donc là, il a tendance à monter, c'est normal. On va bientôt arriver à la moyenne. Hein. Ce que vous pouvez faire également, c'est jouer sur le supplément ou la réduction, donc faire une réduction ou augmenter le prix, pour essayer de faire en sorte que votre production quotidienne et votre vente quotidienne soient les mêmes. Si vous avez trop de production par rapport à vos ventes, le stock va augmenter. Et c'est pas bon. Si vous n'avez pas assez de production par rapport à vos ventes, vous perdez de l'argent en fait, parce que vous pourrez très bien en fabriquer plus pour en vendre plus. Ok. Donc là, jusque là, tout va bien. Maintenant, on va continuer en regardant ingrédients. Et on va regarder pour... Alors, c'est toujours ce premier médicament ici. On peut... Vous voyez que c'est marqué « Améliorer en traite l'angine ». Il faut l'améliorer avec un ioniseur et il faut que ma condition de puissance initiale du médicament soit entre 0 et 6. Donc c'est tout simple, je vais vous montrer, il va me falloir un ioniseur. Pour cela, je vais dans la recherche ici. Et l'ioniseur, il est ici. Donc, pour aller le rechercher, vous voyez que là, je ne peux pas. Il va me falloir un scientifique. Je vais engager un scientifique et le mettre dans l'ioniseur. Ça va lui prendre du temps. Et une fois qu'il sera arrivé à 100%, on va pouvoir utiliser l'ioniseur pour faire ce que l'on veut. Alors, dans le même temps, je vais retourner. Voilà, et on va regarder le deuxième principe actif. Alors, ici, on a la roche violiticus modifiée. Donc là, elle est en puissance 2 initiale. Ça peut faire calme les symptômes du rhume, c'est sympa. Vous voyez que on peut l'améliorer en antibiotique en le faisant passer dans un agglomérateur avec une condition de puissance initiale entre 4 et 8. Donc je vais regarder ici, entre 3 et 10, j'ai la zone active. Ok. Donc ce que je peux faire, c'est déjà augmenter de 1 pour le faire passer dans cette plage d'action de calme les symptômes du rhume et le vendre. Et ensuite, je vais faire un autre circuit pour l'augmenter jusqu'à 4, et à partir de 4, parce que 4, je serai toujours pas dans l'effet peau irritée, et à partir de 4, je le ferai passer dans un agglomérateur, dans des machines pour en faire des pilules, et je pourrai le vendre en tant qu'antibiotique. Ok, donc c'est parti pour importer la roche violiticus modifiée. Donc je retourne dans l'onglet production, voilà, et je vais acheter ici. Voilà. Ici, je vais faire rentrer
ça. Voilà. Je vais le faire passer dans un évaporateur pour augmenter sa puissance de 1. Voilà. Donc si vous regardez ici, si j'augmente sa puissance de 1, j'arrive tout juste dans calme les symptômes du rhume, c'est parfait. Et donc ici tout en bas, je vais pouvoir y mettre deux presses à comprimer, dans le bon sens cette fois-ci. Voilà. Et voilà. C'est parfait. Donc maintenant on a deux chaînes. Je vais accélérer la vitesse du temps, je vais le mettre en x3, et je vais retourner dans recherche par contre. Alors, dans recherche, on est à 70%. Ok, production, il me demande un nom. Ça va être le King's Vaincrume, je le nomme. Et voilà, c'est parti, on a un deuxième médicament. Donc maintenant, il y a un compétiteur, parce que vous n'êtes pas seul sur le marché du médicament. On a tous les personnes qu'on a vues au début, ils sont avec nous sur ce marché. L'un de nos concurrents, Soin Gamma, a sorti un nouveau produit nommé Soin Gamma Partena Pression. Donc ça fait soulage l'hypertension et fatigue. Ok. Research complete. Alors, ma recherche a été effectuée pour l'ioniseur. Très bien, je retourne dans recherche. Et je vais prendre cette fois-ci l'agglomérateur. L'agglomérateur, j'en ai besoin parce que regardez dans ingrédients ici, si je veux améliorer ça en antibiotiques, il me faut le faire passer dans un agglomérateur. Mais pour l'instant, je vais me servir de l'ioniseur. Donc, il faut que je ramène la puissance de mon truc. Là, je suis en puissance 9. Il faut que je le fasse passer à puissance 6. Donc, je le baisse de 3. Et ensuite, je le fais passer dans un ioniseur. Donc, production. Ici. Donc, ici, il passe dans l'évaporateur. Ça veut dire qu'il augmente de 1. C'est pas nécessaire que je fasse ça. Je peux prendre le machin de base, qui est à 8, le baisser de 2, et ensuite le faire passer dans un ioniseur. Donc, je diminue la concentration de... Bah, pourquoi pas 3 que je calcule un peu. Est-ce que c'est bien... Non, ça n'ira pas. Je vais faire ça. Puis en plus, ça coûte plus cher, hein, évidemment. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais en mettre 1 et 2. Donc je baisse sa puissance de 2. Donc vous regardez le médicament qui est là. Il est en puissance 8. Il va passer dans le premier. Merde, je me suis trompé, évidemment. Invalid position. Voilà, je me suis trompé. Invalid position. Très bien. Voilà. Alors, il arrive ici, il est en puissance 7, et il arrive ici, hop, il est en puissance 6. Maintenant, on a le prérequis, le premier prérequis, si je regarde ici, vous voyez que c'est validé, il y a coché entre 0 et 6, c'est bon. Et maintenant, pour le faire passer en traitement contre l'angine, il faut que je le fasse passer dans l'ioniseur. Donc, je vais aller dans auxiliaire, non, c'est toujours dans base, ouais, ioniseur. Ça va aussi avoir l'effet de diminuer sa concentration de 3. Je le fais passer dans l'ioniseur. Et ensuite, je pourrais regarder à combien on est. Hop. Hop là. Donc vous voyez que maintenant, on est passé de ici, soulage l'hypertension, à ici, traite l'angine. Sauf que j'ai pas encore l'effet actif. Pour avoir l'effet traite l'angine, il va falloir que j'augmente sa puissance de 3. Parce que là, je suis à 3, il me faut aller à 6. Donc je vais attendre un peu, parce qu'au niveau de la recherche, je vais avoir l'agglomérateur très bientôt, et l'agglomérateur me permet de compresser les médicaments en pastilles concentrées, il augmente leur concentration de 3, donc ça va être parfait. Donc je vais attendre un peu, c'est parti. On va attendre ensemble jusqu'à ce qu'on ait l'agglomérateur. Et ça c'est du jus que je me suis fabriqué tout à l'heure. Salut Sio. Alors c'est du jus. On a eu l'agglomérateur, c'est bon. Alors, par contre c'est très très costaud comme jus.
Dedans, il y a des carottes. Enfin, il y a une carotte. Il y a une pomme. Il y a deux tomates. Il y a un concombre. Et un peu de persil. J'ai tout mis dans le mixeur. J'ai rajouté une toute petite cuillerée de piment d'Espelette. Et une toute petite cuillerée aussi de sel de Guérande. J'ai mixé tout ça, j'ai rajouté un peu d'eau. Et j'ai mis ça dans le frigo. Et c'est super bon. Alors, oui. Donc maintenant que j'ai eu ce nouvel outil, salut Sio, j'espère que tu vas bien. Bon, comme tu vois, on est sur Big Pharma. Pour changer. On va devoir le faire passer dans l'agglomérateur pour augmenter sa concentration de 3, parce que si vous vous souvenez bien, on était en puissance 3, et maintenant il va falloir passer en puissance 6. Donc, agglomérateur. Par contre, je vais le mettre ici. Et ensuite, après l'agglomérateur, j'ai plus qu'à en faire des pastilles. Donc, presse à comprimer, que je vais mettre ici. Donc, je prends mon convoyeur, je le ramène ici, puis ici, puis ici. Et voilà, tac tac. Donc normalement, on arrive ici, la puissance remonte à Traitlangine. Et ensuite, on n'a plus qu'à en faire des pastilles. Et en plus, on perd l'effet fatigue. Regardez. J'ai plus que Traitlangine, j'ai plus l'effet fatigue. C'est parfait. Donc Traitlangine, King's Attrapangine, nommé. Donc voilà, on a notre troisième médicament. Et ça se passe plutôt bien. Alors, au niveau de la recherche, on a toujours notre scientifique qui est disponible. On va pouvoir aller chercher le siège national parce que expédition dans le désert, ça va être très utile. Ouais, je vais faire ça en premier. Siège national, puis expédition dans le désert. Au niveau des remèdes, c'est tous les remèdes que vous avez mis en place et tous ceux que vous pourrez mettre en place. Et ingrédients... Il y a beaucoup de fibres, hein, c'est pour ça que je marche en même temps. Je vais prendre ici la grageline tachetée. Et il y aura également un catalyseur. Alors ça, on va vous montrer. Je vais vous montrer ça plus tard. Le catalyseur va me permettre... C'est un des prérequis qu'il va falloir pour modifier l'effet d'un médicament. Donc je vais le prendre et on va voir ce qu'il fait. Donc pour le prendre, il me faut un explorateur. Et j'envoie ici. Ensuite, il va me falloir aller chercher ça, puis ça. Et ça, je pourrais pas y aller, parce que regardez, c'est expédition dans le désert, c'est exactement ce que je suis en train d'aller rechercher. Ok. On va regarder au niveau de la compagnie, voir le rendement. Ce qui est important, c'est pas de vendre des médicaments pour soigner les gens, ce qui est important, c'est de vendre des médicaments pour faire du bénéfice. Voilà. C'est dommage à dire, mais c'est comme ça. Et là, ma chaîne la plus... La plus rentable, c'est justement celui que je viens de faire, le King's Attrapangine. Hein. Allez, on va continuer. Alors, si je regarde mon premier médicament ici, si je veux le faire passer en... Non, c'est le deuxième. Si je veux le faire passer en antibiotique, il faut que je le passe dans un agglomérateur. Il faut qu'il ait la puissance initiale entre 4 et 8. Quand on arrive ici, on est en puissance 3, parce que je le fais passer ici une fois dans un évaporateur. Donc, je vais acheter, peu importe, celle-ci. À partir de là, je vais devoir le faire passer encore une fois dans un évaporateur pour augmenter sa puissance initiale à 4. On va faire ça. Comme ça, voilà. Essayez de gagner le plus de place possible. Donc ce que je fais là, je suis en train de diviser par deux cette chaîne. C'est peut-être une erreur d'ailleurs, ce que je fais là. Parce que là, j'ai une entrée, une sortie, à la limite, je peux très bien refaire toute la chaîne. C'est possible, hein. Vous pouvez faire ça, vous pouvez diviser votre chaîne en deux, faire une vente de médicaments d'un côté, une vente d'un autre médicament de l'autre côté, c'est tout à fait possible. Mais dans ce cas-là, j'aurai une sortie, et cette entrée-là, je ne pourrais pas m'en servir, à moins d'acheter ici et de me servir de ces deux sorties ici. Bon, tant pis, je vais refaire toute la chaîne. Donc ici, je vais importer le même produit, donc celui-ci, et je vais l'augmenter pour atteindre la puissance de 4. Donc je l'importe. Je le fais passer dans, peut-être pas dans un évaporateur, parce que si vous regardez ici, j'augmente la concentration de 3, directement en le faisant passer ici. Donc je vais faire ça.
Voilà. 1, 2, 3. Je fais passer donc le convoyeur. Bim. Donc le produit qui est ici en 2 va arriver en puissance 5. Ça va pas être suffisant. Ah bah si, ça va être suffisant, tout juste. Et après, il va me falloir le faire passer dans un agglomérateur. Donc ça, je peux à la limite le supprimer, le vendre. Mais de toute façon, je vais en avoir besoin pour la, par la suite, donc je vais le garder. Je le fais passer dans un agglomérateur. C'est bien ça qu'il faut, hein, je regarde. Ouais. Donc je le fais passer dans un agglomérateur. Ouais, comme ça. Voilà, donc normalement ici... Voilà, on a calmé le symptôme du rhume, c'est pas un problème, mais on a le prérequis qui est entre 4 et 8. Maintenant, je le fais passer là-dedans. Hop, ça devient un antibiotique, mais il faut encore l'augmenter, parce que là, je suis en puissance 8, et l'effet actif est à 12. Donc, augmenter de 4. Ça, ça me permet d'augmenter la concentration de 1, donc ça va être parfait. Je vais pouvoir l'utiliser. Voilà. Et maintenant, je le fais passer encore une fois dans un agglomérateur. Ouais, c'est pareil. Quoi que je fasse, c'est pareil. Si je fais ça... Voilà, comme ça. Et après, il va me falloir le faire passer dans... Là-dedans. On va faire ça et ça. Ça... Comme ça. Non. Ça, ça n'ira pas. Voilà. Je prends le convoyeur. Je le ramène ici. Je le fais sortir, je le ramène là. Puis ici. Et enfin, ici. Donc normalement... Attends, je vais remettre les commentaires là parce que... Voilà. Salut Edelweiss, salut Darkrad, salut Romain. J'espère que vous allez bien les gars. Attends, hop, je le remets OBS pour voir un peu si le flux est bon. Non, c'est bon. On a une bonne connexion aujourd'hui. Alors, normalement, on arrive ici et on a l'effet antibiotique. Très bien. Et maintenant, on va l'augmenter de 1, puis de 3. Et normalement, le produit qui arrive ici, c'est un antibiotique. C'est très bien. Je ne pourrais pas passer à côté de l'effet peau irritée. Donc, tant pis, je vais devoir le vendre avec, avec cet effet-là. Donc voilà, le King's Apaise Bactéries nommé. Et c'est parti pour cette quatrième chaîne. Première, deuxième chaîne, troisième chaîne, quatrième chaîne. Ok, au niveau de la recherche, on en est où? Eh ben voilà, on a eu le siège national. Donc maintenant, je vais aller chercher Expédition dans le désert. Pour ça, il va me falloir deux scientifiques. Je vais en engager un supplémentaire et envoyer les deux gars par ici. Ok. Je vais aller directement dans l'ingrédient. On est à 81% ici. Ça devrait pas tarder pour avoir le Grageline tacheté. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais engager un autre pour l'envoyer ici, pour faire cette recherche. Alors, Grageline tachetée. Je l'ai eu la recherche. Ouais, c'est ça. Ça y est. Concentration de ferricyanide africaine. Donc ça fait antihistaminique, mais ça peut provoquer des évanouissements et une haute pression artérielle. Je pourrais l'améliorer en calme l'insomnie avec un dissolveur, une puissance initiale de 4. Je ne pourrais pas passer à côté de cet effet. Pour le supprimer, il va falloir que je passe au-dessus de la puissance ici qui est de 14, donc ça va être chaud quand même. Donc, on va d'abord en faire un antihistaminique de base, en l'augmentant de 1 et en le vendant tout simplement. Donc, alors c'est parti. Reprendre. Production. Ici. J'importe ce produit-là. J'augmente ses puissances de 1. Et je le vends.
Hop. Voilà. Tout simple. Research complete. Product name required. Et voilà, le King's écrase allergie, c'est parti. Donc recherche terminée, on a eu expédition dans le désert, c'est parfait. Alors qu'est-ce que je vais aller chercher maintenant? Je pense que je vais devoir aller chercher. Je vais forcément avoir besoin d'auxiliaire de base. Et conditionnement alternatif. Surtout pour le multimixeur, ça va être très utile. Transposeur aussi, ça me permet, vous allez voir, ça permet de faire plein de trucs au niveau des effets actifs. Donc je vais envoyer ça plutôt ici. Ok. Et ben bah, c'est parti. Elle a fait antihistaminique et évanouissement comme moi en fait. Hein. L'esprit, le corps et l'âme, une insidieuse maladie s'est répandue sur tout le pays. Donc ça, c'est des événements aléatoires qui peuvent arriver pendant le jeu. Il se trouve que parfois, vous avez le médicament qu'il faut au bon moment et que vous lancez votre production à ce moment-là, ce qui fait que ben vous avez la possibilité de prendre le pas en fait sur tout le marché. Si vous arrivez là, il se passe un truc, admettons qu'il y a une épidémie de choléra et que vous arrivez avec un médicament contre le choléra, vous prenez la tête du marché direct et vous vendez. Les gens mettent le zen à toutes les sauces et comptent moins sur les médicaments pour soigner les migraines, anxiété et hypertension. La demande de ces traitements va baisser. Donc ça, c'est un événement aléatoire, mais qui va surtout taper sur nos ventes, parce que nous, on fait un médicament contre l'hypertension, et donc notre vente de médicaments contre l'hypertension va forcément baisser. D'ailleurs, si on regarde au niveau de la compagnie... Soulage l'hypertension, fatigue. Mon profit là, il va baisser. Ça, c'est obligatoire. Mes ventes quotidiennes vont certainement baisser. Donc, dans ce cas-là, je vais devoir mettre une petite réduction pour essayer d'équilibrer tout ça. Ok. Alors, ingrédients. On a déjà fait ça pour faire antihistaminique. Maintenant, on va en faire un calme l'insomnie. On va améliorer sa puissance initiale. Donc il est à 1, on va le passer à 4, donc le faire passer dans un agglomérateur, et ensuite le faire passer dans un dissolveur. Ok, donc on retourne dans le jeu. Je vais acheter ici. Faut que j'achète ici au milieu. Ou alors cette grande ici. Bon écoute, je vais acheter celle-ci. Donc je fais d'abord passer l'effet actif, celui-là. Je l'importe, voilà, et je vais le faire passer dans l'agglomérateur pour augmenter sa puissance de 3. Déjà. Voilà, donc là il est à 1, il va passer à 4. On va arriver dans le prérequis qui est de 4 à 6. Et maintenant je vais le faire passer dans un dissolveur. Donc hop, dissolveur. Ouais, mais non, je suis bête. Voilà, comme ça. Voilà. Non, mets pas ça. Donc là, normalement, mon médicament, il arrive ici. Voilà, on augmente sa puissance, mais j'ai le prérequis. Voilà. Et normalement, quand j'arrive ici, voilà, je deviens calme l'insomnie. C'est parfait. Sauf que... Là, c'est un problème. Il va me falloir aussi un catalyseur triangle. Vous voyez que c'est marqué condition catalyseur triangle. J'en ai pas. Donc, je vais devoir laisser cette chaîne de production à l'arrêt tant que j'ai pas ce catalyseur. Je vais aller regarder au niveau des ingrédients plutôt. En espérant trouver un catalyseur justement dans l'ortiste. Alors, c'est une... Ruche de méduse écumant. New World Event. Alors, améliorer en empêche l'acné, ça me donne un catalyseur double, ce qui est pas génial.
Événement mondial, c'est quoi? Une nouvelle mesure d'éducation sexuelle obligatoire pour tous les adolescents devrait aider à réduire le nombre de MST. La demande de traitement contre les verrues génitales devrait augmenter. Ok. Sauf que pour l'instant, on n'en crée pas du tout. Je vais pouvoir créer des médicaments contre l'acné, mais je crois pas que ça va faire grand-chose. Alors, augmenter sa puissance de 2 pour en faire un calme les rougeurs et le vendre. Bon, déjà ça, ça peut se faire. Alors ce que je vais faire, c'est que cette chaîne-là qui est en attente... Voilà, je vais mettre ça ailleurs. On ne s'en sert pas pour l'instant. Je vais supprimer tout ça. Et je vais changer ici. Voilà. Pour y faire entrer ce truc-là. J'augmente de 2. Ok. Donc j'augmente de 2, ça va me coûter 1200. Vous voyez que si je le fais passer dans 2 évaporateurs, ça va me coûter 600 plus, 600, 1200. Si je l'augmente de 3 directement, ça va monter à 2200. Tu peux très bien mettre 3 évaporateurs à la suite. Ça aura le même effet qu'un agglomérateur. Sauf que, évidemment, ça, après c'est une question de place. Parce que 3 x 6, 18, donc ça fait 1800. Ça coûtera moins cher de poser 3 évaporateurs plutôt qu'un agglomérateur, mais après, évidemment, il faut avoir la place, quoi. Donc, alors, je fais passer dans 2 agglomérateurs de suite. Voilà. Et là, je devrais avoir une puissance suffisante. Voilà. Et salut, Arporez! Et voilà, maintenant, on a calmé les rougeurs, c'est très bien. Je peux très bien aller le vendre directement. Fabricateur, presse à comprimer. Voilà, ça fait une grande pièce pour une si petite chaîne de production. Mais par la suite, je pourrais très bien modifier cette chaîne de production pour y mettre un médicament qui a besoin d'énormément de process, si tu veux. Donc là, on a sous la calme les rougeurs, très bien. Research complete. King's attrape éruption. Voilà, c'est parti. Alors ma recherche est terminée, c'est les auxiliaires de base. A competitor has released a new product. Voilà. Alors je vais mettre ça en pause, je regarde au niveau de mes ingrédients. Alors, Il est toujours pas terminé l'autre. Et j'ai toujours pas le catalyseur qu'il me faut. Hein. Donc ça c'est dommage. Ok, bon, on va attendre que lui ait terminé pour envoyer les deux ici. Parce que vous voyez que dans le désert là il me faut deux personnes. Hein. Au niveau de la compagnie, comment on est là? Ok, ça vend en tout cas, c'est très bien. Au niveau des ventes et de la production, c'est équilibré donc c'est bon. Le moins stock vous avez, le mieux c'est. Hein. Donc vous voyez que là, le stock reste vraiment, vraiment très faible, c'est bien. J'ai pas besoin de modifier ici au niveau de des remises ou d'augmenter le prix. Par contre, ce que je peux faire, c'est au niveau des ingrédients. Ici, vous voyez que j'ai 3 points. Ah, j'ai eu ma recherche. Je vais mettre ça en pause. J'ai 3 points ici, les explorateurs désœuvrés vous rapportent des points d'amélioration d'ingrédients, dépensez-les pour réduire le coût des ingrédients déjà découverts. Donc ça veut dire que je vais mettre ça dans les ingrédients que j'ai déjà mis dans des chaînes de fabrication, et donc ça va faire baisser leur coût d'achat. Donc en fait, je vais vous montrer ici par exemple. Là, j'importe 2 fois ce machin-là, la roche Violeticus modifiée. C'est-à-dire que si je fais baisser ici la roche Violeticus modifiée en améliorant le produit, le prix de 31 va passer à 28. Donc ça me permet d'économiser sur les produits primaires pour évidemment économiser, ensuite faire une plus bonne main, une meilleure marge par la suite. Je vais pas rester trop longtemps. Attends, je regarde ton message, Arporez. Je dois aller en cours à 13h25. Ok, ben merci d'être passé, Arporez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai utilisé un point pour le mettre ici, je peux évidemment encore améliorer
Donc plus vous améliorez, plus ça coûte cher. Un point au début, deux points après, trois points après, etc. Donc voilà, maintenant ça me revient à 25 euros pour l'entrée. Donc c'est très bien. On va attendre que ma recherche est terminée, il me semble. Ouais, je fais juste des points, là. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avec les 5 points que j'ai là, je vais améliorer le dissolveur et l'évaporateur. Je m'en sers très souvent. Plutôt l'évaporateur, d'ailleurs. Insufficient upgrade points. Ah, ça coûte 4 points, maintenant. Agglomérateur. Ouais, ou dissolveur. Peu importe, franchement. Et la presse à comprimer aussi, je m'en sers beaucoup, donc je vais l'améliorer aussi. Ok, ingrédients. Ok, je vais pouvoir envoyer les deux gars ici, et on va regarder ce qu'on a eu de nouveau. Le liquide zuriforme gelé. Alors ça permet, c'est un anti-inflammatoire. Alors, amplificateur d'attrait, plus 30% de vente si ce médicament contient un remède de la famille infection. Ok, donc c'est traiter les infections et ça peut créer de la nausée. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut créer gérer les infections, moi ? A competitor has released a new product. Alors, infection, j'ai calme les symptômes du rhume. Et ici, antibiotiques. Donc, je pense que là, au niveau de mon ingrédient qui me fait calme les infections et antibiotiques, voilà. Donc, ça veut dire que la roche violeticus modifiée, je vais pouvoir le combiner avec, ici, c'est celui-là, pour en faire un... Plus 30% de vente si ce médicament contient un remède de la famille infection. Donc c'est parfait. Sauf qu'il va falloir que je fasse passer le anti-inflammatoire dans le médicament final. Sauf que vous allez regarder un truc. Alors je vais mettre ça en pause par contre. Vous allez voir que ça, anti-inflammatoire, est en dernière position. Et que calme les symptômes du rhume est en dernière position aussi. Si je regarde au niveau de ma production, ma ligne ici... calme les symptômes du rhume, et qui arrive ici sur ce médicament-là, antibiotique, vous voyez que l'antibiotique est en dernière position. Ça veut dire que les deux effets vont se superposer, il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre, et j'en aurai qu'un, j'aurai pas les deux. Donc le problème que je vais avoir, c'est ça. Il va falloir que je fasse baisser ou monter l'un de ces effets actifs pour pouvoir les superposer. Donc je vais mettre, admettons, faire baisser antibiotique de 1, donc il va se retrouver tout en haut, et je vais pouvoir y faire rentrer dans la même chaîne l'effet actif de l'autre pour qu'il se retrouve en dernière position. Je sais pas si tu comprends bien le truc, mais tu vas voir. Donc, par exemple ici, je fais rentrer celui-là. Donc l'importe, voilà. Il va rentrer ici, il a une puissance de 2, il faut que j'en fasse, soit j'en fais un antibiotique, qui aura en plus l'effet anti-inflammatoire. C'est plutôt pas mal comme combinaison, antibiotique, anti-inflammatoire, c'est cool. Donc, production, je vais en faire un antibiotique. Donc, puissance 4. Donc, agglomérateur. Voilà. Je suis en puissance 8. Maintenant, je peux le faire passer. Je peux augmenter sa puissance jusqu'à 12 pour en faire un antibiotique. D'accord. Donc je fais passer jusqu'à 12, donc ça veut dire évaporateur.
puis agglomérateur. 3 plus 1. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai mon antibiotique normalement. A competitor has released a new product. Voilà, j'ai l'antibiotique. Maintenant, dans la même chaîne, il va falloir que je mélange à l'antibiotique l'autre effet. Donc je vais acheter ici. L'autre effet, c'est celui-là, l'anti-inflammatoire. Donc je vais l'importer ici. Et ça, va falloir que je fasse rentrer dans cette chaîne. Sauf que, pour le faire rentrer dans la chaîne, il va me falloir un multimixeur. Mais, comme je le disais tout à l'heure, les deux effets actifs sont au même niveau. Il y a quatre niveaux, les deux effets actifs sont au même niveau, ça veut dire qu'il y a un des deux qu'il va falloir que je monte ou que... Enfin, que je fasse descendre. Donc, au niveau de ma recherche, voilà. Au niveau de ma recherche, ici, je vais devoir aller chercher le transposeur. Vous voyez que son... l'effet de cette machine, le transposeur décale de 1 les effets des médicaments. L'effet du bas passe en haut. C'est nickel. Donc je vais prendre le transposeur. Et il va me falloir aussi après le multimixeur. Donc très bien. Pour l'instant, cette chaîne-là, je la laisse en pause. New World Event. À chaque fois, je me trompe. Alors, de plus saines habitudes. Les campagnes gouvernementales ont mené la population à adopter de plus saines habitudes. Moins de gens ont besoin de médicaments contre les attaques. D'accord, les attaques cardiaques. Nouveau produit concurrent calme les remontées acides. J'en aurais bien besoin. Traite l'angine. Calme les symptômes du rhume. Elle a fait 3 médicaments de suite qui n'avaient aucun effet secondaire. Je crois que ça va être difficile de garder la tête. Hein. Revenu 1600 et moi je suis seulement à 900, à 1000. Ouais. Par contre, vous voyez qu'ici j'ai beaucoup de stock en antibiotiques peu irrités, ce qui est pas bon. Donc je vais baisser le prix de 10% et on va voir si le stock baisse. Il faudrait que mes ventes et ma production reviennent à l'équilibre, en fait. Donc là, je vends moins que je ne produis. Non, je fais des bêtises, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, 15%. Voilà, j'en vends plus que j'en produis. Maintenant, je vais pouvoir réduire le stock. A competitor has released voilà. A new product. Je réduis plus rapidement le stock. De toute façon, je fais quand même du bénéfice hein, sur ce médicament. Hein. C'est pas très très grave. Hein. Et voilà, là je vais pouvoir revenir à l'équilibre. Disons... Alors 10%, comment ça se passe? J'en vends toujours plus. New World Event. Voilà, je suis à peu près à l'équilibre, j'en vends toujours un peu plus, si j'augmente. J'augmente encore. Faut que je passe à 1 en production et à 1 en vente. Voilà. Là, ça m'a l'air bon. Très bien. Là, pareil, j'ai du stock, hein, parce que les ventes quotidiennes, c'est 0,7 et la production, c'est 1. Donc, je vais baisser le prix aussi de genre 5%. Ça va peut-être me permettre aussi de faire remonter les ventes quotidiennes à 1. Voilà ce qui est fait maintenant. Très bien. On est bon. Alors, recherche. On a le transposeur. Je vais chercher le multimixeur. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe avec le transposeur. Maintenant, ce produit-là, cet effet actif-là, antibiotique, il est en dernière position. Je vais le faire passer dans... là, il est en puissance 9. Je vais le faire passer en puissance 12. Donc, voilà, un agglomérateur. Il arrive ici. Voilà, c'est un antibiotique. Et l'antibiotique, il va falloir que je le fasse passer en haut pour pouvoir y faire entrer l'anti-inflammatoire dedans. Donc... Au niveau des auxiliaires, je prends le transposeur. Research complete. New World Event. Voilà. Et on va faire entrer ça là-dedans. Hop là, vous voyez, l'antibiotique est passé en première position. Nickel. Maintenant, je vais continuer la chaîne.
ici pour y faire rentrer le deuxième produit. Donc, sans que je réfléchisse un peu, normalement c'est bon. Hein. Normalement on est bon. On a l'effet anti-inflammatoire directement. Ouais, il est anti-inflammatoire et on n'a pas l'effet de nausée. Donc j'ai même pas besoin de l'usiner en fait. Je vais directement le faire passer dans deux presses à comprimer que je vais mettre là. Sauf que ça, je vais devoir le déplacer. Voilà. Je fais rentrer ça là-dedans. Donc ça, ça vient ici. Et ça, ça vient là-dessus. Voilà. Donc là, ce médicament-là, l'effet actif va se retrouver en bas. Bim. En haut plutôt, que je vais modifier. Alors non, là j'ai fait une connerie là. Je vais devoir le faire passer dans un multimixeur. Est-ce que je l'ai eu le multimixeur? Ouais, tout juste. Alors, multimixeur, bah tiens, je vais aller chercher ça pour pouvoir faire des crèmes par la suite. Au niveau de ma production, donc du coup, je retourne là-dedans. Auxiliaire, multimixeur. Mes deux effets doivent rentrer par les entrées vertes. Par exemple comme ça. Toi tu viens. Voilà. Et là. Voilà. Donc, c'est parti. Hop là. Maintenant j'ai l'effet anti-inflammatoire. Ça peut irriter la peau. Mais c'est aussi l'effet antibiotique. C'est parfait. Et je vais pouvoir vendre tout ça. Donc voilà, c'est une chaîne de production qui coûte cher, mais King's anti-inflammatoire attrape infection a été créé. Peut-être que ça va me permettre de faire un bénéfice, on ne sait pas. Hein. Alors je vais regarder un petit peu les commentaires les gars, mais je serai là vers 15h, tu live encore à 7h là ou pas? Il y a des chances, parce que j'ai décidé, je me suis dit on est jeudi, rien à faire. Je fais un live quand même. J'avais envie de faire un live, alors je me suis dit tant pis, je vais le faire aujourd'hui. Et puis, c'est pas grave, dans tous les cas, ça sera quand même rediffusé sur YouTube. Donc, il n'y a pas de problème. Salut Clayou, bah ouais, je vais bien, ouais. Salut Niden Dakin, salut à toi. Donc, bienvenue les gars. Je remets bien les commentaires parce que là, je vous ai perdu. Voilà. Et je vais remettre. OBS, voilà. Très bien. Ok, alors on continue. Je vais regarder au niveau de la compagnie antibiotique, anti-inflammatoire. Vous voyez que, bon, le profit, par contre, le profit quotidien est assez mauvais. C'est dommage. Bon, j'en vends autant que j'en produis, donc c'est pas très grave. Et vous voyez que mes stocks ici sont redescendus. Donc c'est que là, ma réduction de 5% est plutôt pas mal. Bon, le médicament est très mauvais après. Hein. Antibiotique peau irritée, là, je peux pas tellement modifier ça. Je vais regarder au niveau de la production. Est-ce qu'il y aurait possibilité de changer la chaîne de production? C'est celui-là. Voilà, antibiotique peau irritée. 12-18, 10-18. Donc, comment je fais pour supprimer peau irritée? Je sais plus comment je peux faire. Bref. Je vais aller chercher d'autres médicaments. Là, c'est un 4. Et là, c'est un 2. Bon, j'ai pas le catalyseur en triangle, je l'ai pas. Traite le diabète, constipation. Elle est vraiment en train de prendre le dessus sur moi. Je vais prendre la machine à crème. Moduler automatiquement le flux des médicaments dans l'usine selon le niveau des stocks, c'est pas trop mal. Et l'impacteuse. Placer des produits finis et identiques dans une boîte exportable. Vous utiliserez ainsi moins de sas d'export et pourrez entreposer plus facilement vos médicaments finis dans votre usine. J'ai encore jamais utilisé ce genre de machine. Hein. Je suis tout nouveau sur le jeu, donc j'ai pas eu le temps de vraiment l'explorer à fond. Hein. Est-ce que j'ai 18 points? Je vais pouvoir améliorer 2-3 trucs. L'agglomérateur.
La presse à comprimer. L'ioniseur, je m'en sers pas beaucoup d'ioniseur encore pour le moment. Bon, tu sais quoi, je vais quand même améliorer ici, agglomérateur ioniseur, au moins à 2. New ingredient discovered. Réduire les coûts d'agrandissement de l'usine, c'est important aussi. Bon, je vais continuer d'améliorer en fait. Hein. Évaporateur, dissolveur, et voilà. Et presse à comprimer. Très bien. Super, on a un ingrédient supplémentaire. Ah, là, il m'en faut 3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveau machin? Particules de charme biodégradable. New world. Ah, bah ça y est, je l'ai. Ça y est, j'ai eu le... ce truc-là en triangle. Donc, par contre, c'est vomissement. Je vais devoir garder cet effet de vomissement, ce qui est dommage. Là, je peux en faire un médicament pour apaiser la toux. Ok. C'était quel médicament qu'il fallait que j'améliore avec... Roche de méduse écumant empêche l'acné. Je l'ai pas fait ça encore. J'ai fait calme les rougeurs, mais j'ai pas fait empêche l'acné. Je vais faire ça tout de suite. Roche de méduse écumant, je le fais passer en puissance 10, puis dans un évaporateur. Mais il va me falloir un catalyseur avec. Un catalyseur double. Est-ce que j'ai ça? Normalement, oui, j'ai dû en avoir un, non? Me dites pas que j'en ai pas. J'ai pas encore de catalyseur double. C'est emmerdant. D'habitude, c'est un des trucs qu'on reçoit en premier. Et là-bas, non. Tant pis. Qu'est-ce que je peux faire, alors? Je peux faire un apaise-la-toux qui te rend anxieux. Ah bah si, j'en ai un ici. Je suis bête, moi. Donc, faut que je combine ça avec ça. Donc j'aurai plus l'effet de vomissement parce que l'effet de camelot rougeur va se mettre dessus sur vomissement. Même l'effet empêche l'acné. Mais je vais devoir garder l'effet anxiété. Donc je vais devoir importer roche de méduse écumant et particules de charme biodégradable. Donc je vais d'abord commencer par là et en faire un empêche l'acné. Donc roche de méduse machin truc. Ici. Non, je vais faire passer de l'autre côté. Je vais faire ça plutôt. Donc roche de méduse écumant, j'importe. Voilà. Puissance initiale de 6, il me faut une puissance de 10. Donc 9. Voilà. Normalement, je suis arrivé à 12. Ouais, ça ira moins bien comme ça. Voilà. Voilà, je suis à 12 et j'ai toujours l'effet calme les rougeurs. C'est parfait. J'ai toujours pas le catalyseur, donc maintenant il va falloir que je le fasse rentrer dans cette chaîne de production ici avec un multimixeur. Donc, il va me falloir un multimixeur. Voilà. Et là-dedans, j'y fais rentrer. Hop, 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 hop. Où est-ce qu'il est? Je l'ai vu tout à l'heure. Il est là. Particules de charme biodégradable, je l'importe. Voilà. Ah, zut, attends un peu, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça ne marche pas? Calme les rougeurs en 3, maux des têtes en 4.
normalement, calme les rougeurs devrait prendre le dessus sur vomissement. Mais c'est pas le cas. Merde alors, comment ça se fait? Modifier base. Voilà, je vais réessayer comme ça. Ah merde alors, ça devrait pas faire ça. Ouais, c'est bien ça. Apaise la toux, anxiété, vomissement, bouche asséchée, c'est pas ce que j'ai demandé. Moi je voulais calmer les rougeurs. Et maux de tête. Ouais, normalement c'est ça. Merde, reprendre. Normalement ma base. Parce que là tu peux choisir la base. Soit c'est la base ici, de ce premier médicament là. Soit c'est cette base ici, de ce deuxième médicament. Si je demande que la base soit ici, apaise la toux et anxiété, ces deux effets-là devraient se retrouver dans le produit final. New ingredient discovered. Et si je le mets à l'envers, je découvre. Apaise la toux, anxiété, j'ai toujours l'effet de vomissement. C'est emmerdant. Hein. Je suis bloqué là. Là, franchement, je suis bloqué. Je sais pas bien comment on fait ça. J'avais encore jamais été confronté à ce genre de problème, en fait. Hein. Et si je le faisais passer dans un transposeur avant? Je sais pas si c'est bien nécessaire de faire ça, mais je vais essayer, on ne sait jamais. Alors, il va me falloir un transposeur, je vais essayer avec ça. Est-ce que c'est mieux de faire passer ça dans le transposeur? Je vais avoir vomissement en dernière position. Et ici, je vais avoir maux de tête qui va être remplacé par... Ouais. Je vais essayer dans les deux cas. On va voir l'effet que ça fait. Donc soit... Hop. Hop. Ça donne quoi? Calme le rougeur en dernier. Multimixeur après. Voilà. Bim bim. Et bim. Voir ce que ça donne maintenant. Ça ne marche pas. J'ai toujours vomissement de base. Non, ça ne marche pas. Bah, je ne sais pas. Écoutez, je suis comme bloqué là parce que je sais pas comment ça marche. Alors, je vais essayer de demander, je sais pas à qui. Je vais peut-être regarder sur les forums, il y a certainement des cas qui vont expliquer ça. Je comprends pas bien comment ça marche. Allez regarder un let's play d'ailleurs. Je pense que Quill18 a dû faire un let's play sur Big Pharma. Je vais regarder un petit peu comment il s'en sort lui. Parce que c'est un bon youtubeur, Quill18. Q-U-I-2-L-18. C'est un youtubeur canadien. Il doit avoir une trentaine d'années. Et c'est un mec super cool. Voilà, donc c'est la fin de ce live, les gars. On est à une bonne heure, hein. Ouais, une bonne heure de live. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les pouces, les commentaires, les partages. Et on se voit, ben, je pense, peut-être après pour continuer probablement sur autre chose. Forest Village, je sais pas quoi. Allez, salut tout le monde!